Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le... Oh la vache, 14e épisode je crois, 14, 15, je sais plus, de mon let's play sur le jeu Age of Mythology Extended Edition. Oui, donc on va essayer de faire de la faire la plus courte possible, on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement, parce que j'ai encore l'impression qu'il y a 25 milliards d'épisodes à faire, donc on va essayer de faire deux missions dans cet épisode, c'est parti! Loin de son foyer. Alors, bon... Dans l'idée, il faudrait qu'on essaie d'accélérer un petit peu le mouvement. J'aime pas trop faire des let's play trop Au longs. nord, sur la rive du fleuve, pousse un grand tamaris. La tête d'Osiris se trouve dans son tronc. Chiron, des soldats approchent! Je suis Niortseir. Nous poursuivons le Borgne. Nous suivons sa trace depuis Midgard. Le Borgne? Gargansis? Le Cyclope? Oui, il a réuni les géants. Au nord. Midgard est presque entièrement détruite. On nous a demandé de le suivre afin d'empêcher Ragnarok. Ragnarok? La fin du monde. Avez-vous vu le Borgne? Il est ici. Nous le combattons aussi. Vous êtes avec nous? Oui. Mais what the fuck? Voilà que les Vikings se baladent. C'est complètement débile. Charabeu, un éclaireur. Suivez-le jusqu'au camp. Ils peuvent peut-être nous aider. D'accord. On va accélérer un petit peu, donc faudra aller chercher cet arbre. Bienvenue au camp. Ok. Et nous vous guiderons jusqu'au Tamaris. D'accord. D'accord, d'accord. Eh ben allons-y. J'ai envie de dire comme d'habitude. On va ici. Donc on a un temple. Ils menacent le camp. Cherchez et détruisez ces tombes dans le désert pour arrêter leurs attaques. Alors, par contre, j'ai une question. À quoi ça sert un charabeu? Alors, homme d'armes. Pourquoi j'ai dit homme d'armes? Ok. Ouais, c'est juste que ça. Donc, il y a quoi à faire? Envoyer les agriculteurs couper le tamaris et récupérer la tête d'Osiris. D'accord, donc en fait il va falloir envoyer des villageois. On va explorer un petit peu en attendant. Vision, donc du coup il y a la vision ici. Là, il y a un petit trou d'eau. Là il y a encore un emplacement de forum. Il y a un éléphant. On peut le prendre ou on peut le détruire? Ah, on a l'air de pouvoir le détruire. Du coup, ouais, bon, on va le détruire rapidement parce que je suppose qu'ils vont nous attaquer si on les détruit là. Un nouveau pharaon est arrivé pour diriger notre peuple. C'est cool, c'est gentil. À quoi ça sert les charabeux? J'en ai aucune question. Des vieux scarabées qui puent. Ils sont en train de défoncer des unités. On va aller se refaire un petit peu la santé avant de repartir. Bon, bah alors comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse les villageois dans tous les sens. Alors, du coup, pas un endroit où je pourrais couper du bois. Si, y a un peu de bois ici, mais c'est pas, ouais, c'est pas énorme. On va couper du bois. Même qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'or. Ouais. Donc je vais faire une coupure comme d'habitude et je vous reprends une fois que j'ai de quoi m'attaquer au reste de la mission. Alors je vous reprends tout simplement parce que déjà je me fais attaquer, ce qui est jamais cool. Et en plus de ça parce qu'en fait on peut y accéder tout de suite, c'est juste qu'il faut aller couper l'arbre avec plein de villageois. Du coup c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, mais pour ça il va nous falloir pas mal de villageois, je pense. Ce qu'on va faire, je pose un obélisque. Je vais renvoyer mes unités au taf. Mitsu, tu vas aller par là, je pense que ça peut être pas mal. Donc j'ai 10. Ouais, t'en as un là-dedans. Voilà, là j'en ai 6, je vais essayer de les envoyer faire ce truc. Je vais aller défoncer les caïmans qui empêchent les unités d'arriver. Donc en fait,
Alors, j'ai pas trouvé d'or. Enfin, peut-être que je m'occupe de trouver de l'or. Je vais envoyer Chiron chercher de l'or quelque part par là. Il ira plus vite. Parce que j'aurai jamais assez d'or sinon. Il va aller construire un obélisque. Il faut que je refasse des unités. Donc, ouais, en fait, ce qu'il faut. Putain. On voit toujours plus de trucs. Ouais, ça va, c'est des serpents. C'est pas non plus ce qui est plus compliqué. Ah ouais. Ça me paraît un petit peu tendre avec cette histoire. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de construire un mur ? Il y a des momies dans le désert. J'ai oublié cette histoire. Oh la vache. On va aller détruire ça. Bon, les momies, ça a l'air d'aller. Il va nous falloir plus de... Oh là là. Oh, ça va être un peu compliqué cette histoire. Ça me paraît un petit peu compliqué. Il faut impérativement que je fasse ça. Toi, tu vas aller me construire des... Tu veux pas me faire l'obélisque ? Faut l'empêcher de construire ça. Voilà. Là, est-ce qu'il va y arriver un jour ? Je sais pas. Ok, une momie en moins. Bon, ça m'a l'air d'aller. Alors, vous avez fini. Et Chiron, t'es où, Chiron ? Pourquoi t'es là, Chiron ? Tu voulais pas aller chercher un peu plus ? Ok. Donc là, on va pouvoir les voir arriver. Je vais faire un truc, je vais faire ça. Bon, là, ça me saoule un peu, mais bon. J'ai pas d'or, c'est un souci, c'est un gros souci. Alors, genre... Ouais, c'est ça, j'ai plein d'unités qui se touchent la nouille. Là, il faut que j'envoie des unités, je vais déjà améliorer. C'est pas simple. C'est pas si simple que ça, cette histoire. Y a pas d'or qui traîne. Ah bah quand même. Allez me faire une mine d'or ici. S'il vous plaît. Sinon on va pas y arriver. Alors toi. Ah d'accord. Par contre un jour faudra qu'il récolte du bois, non? Ah ouais mais non, en fait il récolte pas de bois. Il coupe juste l'arbre. D'accord, ok. C'est encore pire que ce que je pensais en fait. Mais s'il coupe pas de bois, je vais faire ça comment? Allez me couper du bois là, parce que sinon on va pas y arriver. Oh merde. Voilà la difficulté du truc. Parce qu'en gros là j'ai 13 villageois qui sont en train d'essayer de défoncer l'arbre. Mais ils le défoncent pas super vite hein. Il va falloir le maintenir. Ça me fait penser que toi tu vas réparer ça. Ok, bon ben statu quo, on va voir comment ça se déroule cette histoire. On va essayer de faire ça vite. Alors finalement, il semble qu'on y arrive sans encombre. Ils m'ont pas attaqué, ce que je comprends pas trop, parce qu'au final, bon, bah, j'ai refait quelques unités quand même. Je suis pas foufou, hein, j'ai relancé des productions dans tous les sens, ce qui fait que j'ai énormément de villageois en fait. Mais ils m'ont pas attaqué, ce que je trouve très étrange. Là, on y arrive, on est à 295. Ah, bon, ils finissent par m'attaquer, mais on va dire que c'est leur pharaon qui nous attaque, quoi. On va reculer. Voilà, 70. Quoi ? J'ai gagné ?
C'était juste ça, ils m'ont même pas réattaqué. J'ai juste mis un mur tout pourri. Ok, bon bah scénario suivant, j'ai envie de dire. Le premier pas, attendez, on est au 19e mission et c'est le premier pas? Ajax, des voiles noires, les pirates de Camos. Vous pensez que Camos est ici? Il est ici. Gargaren VI souhaiterait que Camos veille personnellement sur la relique. Alors il aura une bien rude journée. La base de Camos est fortifiée. Quelques bateaux nous permettraient de nous y rendre discrètement. D'accord, donc cette fois-ci, on doit aller attaquer... Oh là, attendez, je vais faire un truc. Non, deux. Non, non, mets-vous un, voilà. Je vais faire rouler ça d'abord. Et un, on fait... Non, mais non, un, on fait... Un, c'est là, et deux, c'est là. J'arrive à coordonner mes petits doigts. D'accord, donc là, il y a des types qui sont obligés de prier... Alors, ils se font défoncer. Je vais faire venir la 2. Ah. Hop, ça lui a coûté un petit peu cher. Dans l'idée, il faudrait que le... lui soit géré le plus vite possible. On peut gérer le reste. Ça me paraît bien tout ça. Ah là. Ça c'est fait. Et c'était qu'un hors d'œuvre. Alors par contre je sais pas trop pourquoi on a tout cassé. Nous avons des bateaux. Ça me paraît... Merci de nous avoir sauvés. Hasardeux. Construisons des colosses pour vous. Revenez quand ils seront prêts. D'accord. J'ai un phare. Faut que j'aille là-bas. Mais ça me paraît hasardeux cette histoire avec toutes les voiles qu'il y a au milieu. Enfin... Ça me paraît compliqué. Vous savez quoi? Je vais enregistrer. Je vais appeler... YouTube. Puis on va essayer. Ça se trouve, ça a marché. Sur un malentendu, ça fonctionnerait peut-être. En plus, j'ai pile la place. Presque. On va voir s'il n'y a pas quelque chose ici. Parce que ça se trouve, c'est plus pratique d'accéder par là. Ah, mais non, en fait, je peux passer en sneaky. Je peux passer en méga sneaky parce que j'ai exactement les mêmes voiles. Donc rien à foutre, je passe. Je suis tranquille. Coucou, c'est moi. Mais du coup, à quoi servait cette zone? Regardez ces défenses. Nous serions morts sans ces bateaux pirates. Oui. Là, je dois avouer que c'est un petit peu compliqué cette histoire. S'il faut passer. S'il faut passer tranquillou. Je pense qu'en termes de navires de combat, il aurait fallu une sacrée flotte. Et nous, il faut qu'on fasse tout le tour par le haut. Déjà, on va tout déposer là-bas. Nous vous aiderons à le vaincre. Un égyptien, voilà. Tranquillou. Ok. Temps restant avant que Camo s'envoie ses éclaireurs. 10 minutes. D'accord, donc bah voilà, c'est reparti. C'est reparti pour un tout tour. Installons-nous derrière ces arbres avant d'attaquer la base de Camos. Ouais. Bah, il va falloir refaire encore des unités, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, j'ai les éclaireurs qui vont arriver dans pas longtemps, donc ça va bientôt bastonner. Donc normalement, je suis bon. Hein. Normalement, je suis bon. J'ai pas encore changé d'âge, même si j'ai une plus grande force armée qu'avant. Méfiance un petit peu. Non, pourquoi j'ai mis un... Contrôle 1.
2. Faut que j'arrête d'utiliser contrôle à trouble champ. J'ai un colosse de prêt aussi qui va rentrer là-dedans. Donc bientôt je vais en avoir un second. Je vais bientôt plus avoir d'or ici. Donc faudra que je balade les villageois pour aller ici. Donc pas de problème. Là j'ai des bâtiments qui sont en train d'être faits. Là qu'est-ce qu'il a fait? Il a. D'accord. Vision. Ils vont pas tarder à nous attaquer. J'ai une armurerie qui est en. Ok. Les troupes de Camo ça va. Le détroit n'est plus sûr. Ah merde! Le détroit n'est plus sûr? Ah! Ah! Nous avons un colosse pour vous, Arcanthos. On va voir si on peut passer avec un colosse ou deux. Merde! En vrai, si on arrive à passer des trucs. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Sauf que j'ai plus d'or ici. On va voir. Si je me fais attaquer, c'est qu'il y a un souci. Ouais. Bon, nice. Je vais perdre les deux colosses. En plus, je peux pas passer par là. Et je fais comment? Arrêtez de vous suicider. Voilà. Voilà, c'est... arrêtez de vous suicider. Du coup, je fais comment? Hein? Je me retrouve avec 10 Pékins sous le bras là. J'en fais quoi? Je les mets à la mine, mais il n'y a pas de mine. Ce que je vais faire, vous savez quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et bien évidemment, on vendra les surplus. Toi, t'as fini. On va améliorer un peu de tout. Qu'est-ce que je voulais faire? Changer d'âge. J'ai largement assez. Léviathan, Nuée, Pesurokos. Neftis, déesse de la nuit et de la mort. J'adore la gueule qu'ils lui ont fait. Léviathan, ancêtre ou nuée de sauterelle. Bon, ancêtre, c'est mieux, je pense. On va passer là-dessus. On va améliorer d'âge. Un temple. Ouais, je sais pas si on va faire un temple. Je suis pas sûr que ce soit worse. On va attendre un peu. De toute façon, les colosses, on les a dans le cul. Littéralement, de même que l'or. Et ça me faut bien, il est mort. Je vais au moins mettre une statue, histoire de générer des faveurs. Ah, je suis un petit peu salé là, de cette histoire. Je pensais pas, en fait. Je pensais qu'on aurait toujours accès au détroit, mais en fait, j'aurais dû le voir venir. Clairement, j'aurais dû le voir venir. Mais on peut quand même encore faire quelque chose, bien entendu. On peut encore, quand même encore faire quelque chose. Je pense qu'il faut que je fasse encore quelques unités de siège. On fait encore quelques unités de siège et ça devrait passer tranquillou. On va faire un ou deux. Ouais. Là, on est passé. Ah merde, j'ai plus du tout d'or. Il faut que je fasse un marché. Marché qui ne coûte rien. Donc on va vendre. On va vendre contre de l'or. Parce que c'est vrai que j'ai plus du tout assez d'or. Ouais, ça va coûter de l'or un peu partout. De même, les machines. Je vais caser un obélisque. Alors on s'est pas obligé d'y aller à tous comme ça. Il y a juste le prêtre qui peut y aller. Voilà. Ah merde, j'ai oublié d'éteindre mon messenger, donc ça fait ploup ploup, je suis désolé. Ouais. Ah, c'est un petit sushi là quand même. Donc là, on voit qu'il n'y a rien de spécial, et en plus, on va galérer un petit peu. Ouais, non. De toute façon, tant qu'on peut produire de la nourriture, on est tranquille. On est tranquille parce qu'on pourra toujours en revendre, même si on revendra pour quelques copecs seulement, pas plus. Mais on sera toujours un peu tranquille. Allez, finis-moi ce marché.
s'il te plaît. J'ai même plus assez. Vendre 100 unités de nourriture. Et voilà, on rééquilibre un petit peu les stocks. Meilleur ça. Meilleur ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, une fois que tu auras fini le monument pour soldat, tu me feras un truc de siège. Qu'on fasse quelques petites unités de siège en plus. Ce serait pas mal. Et avec ça, ensuite, on va pouvoir attaquer. Allez, juste, j'ai oublié de faire ça. Améliorer la vitesse de récolte, parce qu'on doit en avoir besoin. Parce que s'il faut qu'on vende de la nourriture à masse. Hop, je vais régénérer un peu plus. Bon, voilà. Du coup, je fais une petite armée et je vous retrouve. Bon, allez, cette fois-ci, on peut attaquer. J'ai une petite armée, j'ai de quoi attaquer. Hop, on va attaquer tout ça. Voilà. Ils sont bien défoncés. Voilà, on va pouvoir attaquer. Alors, je sais pas trop quel est l'objectif de la mission, si ce n'est attaquer directement le... Donc là, il y a de l'or, donc c'est pratique. Oula, un colosse. Scarabée. Putain, c'est solide ces trucs, hein. C'est vraiment super solide. Nice. Alors on va éliminer tout ce bousin. Je pense que ça mange pas de pain. Voilà, je pense qu'il va falloir monter vers le haut. Je suis pas sûr. Wow. On va attaquer ça rapidement avant qu'ils me détruisent mes engins de siège. Ah non. Hop, et le 2 là. J'ai pas énormément de vie. Le truc c'est que non, je vais pas lancer non plus le sort de peau de bronze. Ça servira à rien. Hop. Ah, peut-être là. Je vais le lancer. Vous allez attaquer ça. Là, je vais aider à l'aide d'une armée des morts. Ah là 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 là. Parce que j'ai des unités de siège qui sont pas forcément meilleurs endroits du monde. On va attaquer avec la 2. Oh la vache. On est un peu split. On est un peu méga split. Comme l'impression que c'était pas là que je devais attaquer. Je crois que c'était le bastion de Bizul là que j'aurais dû attaquer. On recule, on recule, on recule. Aïe aïe. Je pense que là on est obligé de faire ça. Je vais. Nous avons un colosse pour vous. Ouais, je sais que j'ai des colosses, mais ça me sert à rien. Enfin, en tout cas, je peux pas les atteindre. Essayez de vous regrouper au lieu d'attaquer dans tous les sens.
Ah là 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 là. Je peux sauver. Faut pas que ma catapulte elle crève. Avant son dernier lancer. C'était pas ça. C'était pas ça. Alors c'était quoi? Mais alors il fallait que je fasse quoi? J'ai défoncé le truc. Bon. Je fais quoi? Merde alors. C'est con. Vous savez quoi? On va reculer. On va reculer, on reviendra plus tard. Je vais refaire une petite armée rapido. Ça me paraît bizarre cette histoire. C'est surtout que l'objectif n'a pas changé. C'est toujours rester derrière les trucs et éviter de se faire repérer. Mais bon, c'est fait quoi. Il n'y a pas plus grand chose. Alors, t'as raté une cible à cette distance. Quand même tristesse. Ouais, on va se cacher. Ah mais j'avais ici mon prêtre derrière. Parce que j'ai envie de dire, là, j'ai vraiment tout défoncé en face. À un moment, faut reconnaître ma supériorité. Bon, bah du coup, voilà, je réattaque avec ça. On va voir ce qui va se passer. Ça me paraît un peu... C'est bizarre quand même, c'est super bizarre. Ah, c'est peut-être là. Merde, j'aurais dû... s'il vous plaît, essayez de vous organiser un minimum. Et vous allez attaquer ça. C'est peut-être juste ça en fait. Non, toujours pas? Attendez, vous foutez de ma gueule? Ah merde, c'était là. Ah merde, en plus ça passe pas quoi. Il y a trop de dégâts dans tous les sens. Putain, j'ai fait tout le tour de la base pour me retrouver face à ça. Bon. Vous savez quoi? On va en refaire d'autres. Hein? C'est trop fun. Bon allez, vous savez quoi? On va attaquer avec ça. De toute façon, je sais que j'ai bientôt plus de place sur mon disque dur. Et je vais une météorite. J'ai envie de dire, ça va passer. Si ça passe pas, tant pis. Parce que ça m'aura saoulé cette mission. Ça m'aura particulièrement saoulé. Et j'espère que la fin a été capturée parce que... je suis pas sûr d'avoir eu suffisamment de place sur mon disque dur. C'était pas prévu que ça dure aussi longtemps, en réalité. Allez, Camos est là. Des maudits... Quoi? Je peux pas utiliser les pouvoirs divins? Si, je peux les utiliser là. Approchez-vous. Ah. Voilà, j'ai gagné. Un coup de météore, mais j'ai gagné. Qu'avez-vous dit juste avant? Quelque chose comme ma tête à l'avant de votre navire? Votre tête décorera un mât, même si ce n'est pas moi qui l'y attache. Oh.
Ok, donc on n'est toujours pas à la fin. J'espère vraiment que ça a été capturé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.